fille qui sommeille. Car nous les femmes, on est l'avenir de l'homme. Si ça lui plaît pas, on lui coupera le zob. Car nous les femmes. Est-ce que vous pouvez me donner un point commun entre l'homme et le chien? Monsieur, est-ce que vous avez une brosse? Sans brosse, oui. Sans brosse, voilà. Monsieur, reste modeste. Au bout de 2 heures, vous arrivez en caisse, vous passez en caisse, vous allez sur le parking, vous ouvrez le coffre, et au moment de charger le coffre, vous vérifiez tout sur la liste. Vous entassez. Et là, qu'est-ce qui manque? Les 3 articles étaient sur le post-it. Tout le monde, hublot, on fait les oreilles de lapin, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, hublot, oreilles de lapin, tout le monde fait les oreilles de lapin. Sans taper dans les mains, sinon ça va être compliqué. Ou alors on alterne, lapin. Ça permet toujours tout de faire l'amour, comme disait l'électricioniste. Il faut bien se taper, s'incruyer. Légumes par jour. Eh, vous êtes bien. Sur son fidèle destrier, une Range Rover verte. Elle arrive. Elle sort, elle claque la porte, se tape sur la tête. Oh, hé, l'intermittent, là. Si ce soir, je t'ai emmené au bal, c'est pour qu'ensuite, tu m'offres ton trou de... balle. Bah, c'est que si on veut avoir une discussion avec notre femme moderne, il faut qu'on l'identifie dans une story. Hashtag faut qu'on cause. Et puis, si on veut faire un câlin, il faut créer un événement Facebook. Mais souvent, mais ne participe pas. Bah, c'est pas qu'elle n'était pas intelligente, elle l'était, mais asymptomatique. Elle avait un cerveau placebo. C'est-à-dire qu'elle avait un cerveau, mais il était placé là pour faire beau. C'est vrai, quand je lui parlais tout ça, elle ne comprenait rien. Elle était comme ça. Moi, je voyais chargement en cours. Quand il y a pas de... Et ben là, elle me regarde comme une cocotte, mais elle fait ça. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire en nous. Vous connaissez? Oui, Angèle. Ah ouais, Angèle, ah ouais. Normal, en même temps, c'est l'hiver. Je suis à poil dans le noir, un peu le zobalet. Elle me dit, j'arrive tout de suite, je passe à la salle de bain. Au bout de 3 quarts d'heure. Depuis le temps que je patiente, car nous les femmes, on ne ramassera plus les chaussettes. Et peut-être qu'un jour l'homme finira par disparaître. Non, ça serait con, hein. Ouais. Donc à la question, et si la femme était l'avenir de l'homme, je vous écoute.